tout le monde, bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo, une vidéo Clash Royale sur la chaîne David Caplay. J'espère que vous allez bien. On va tout simplement débuter un défi, un super défi, pour tenter de remporter un maximum de gros coffres. Tout simplement parce que si vous allez sur la chaîne David K, vous savez que vous connaissez la carte que j'ai obtenue aujourd'hui. Et donc le but, c'est de pouvoir débloquer un gros coffre pour espérer peut-être continuer à obtenir cette carte, cette fameuse carte. Donc je vous laisse vous rendre sur la chaîne David K. La vidéo du jour doit être exceptionnelle, ou la vidéo de la veille, ça dépend. J'ai un super deck, on va parler bien sûr deck méga chevalier, vous l'avez compris les amis. On a un deck méga chevalier PK et franchement, je pense très sincèrement qu'on peut percer avec cette compo, qu'on peut aller chercher peut-être le 12 victoires. Donc pourquoi pas, on va essayer au moins de monter à 10 pour avoir un coffre correct. Là, j'ai tout ce qu'il faut hein, dans ma main, vous avez vu, regardez, j'ai un sorcier électrique, ça va juste être génial. On va pouvoir bien counter notre copain, là, regardez, hop, ici, avec des chauves-souris en plus. Logiquement, on est très très bien. Logiquement, on est très très bien. Regardez, hop, le petit zap pour permettre à mes petites chauves-souris peut-être de passer. On a en tout cas le méga chevalier qui est passé, regardez lui. Alors nous, on est très bien. Nous, on est très très bien, les amis, parce que là, regardez, on casse la fournaise. On va casser le baby dragon. Logiquement, c'est parfait. Avec peut-être une petite accélération, regardez, à coup de voleuse, ça peut fonctionner. Ça va très bien fonctionner même. Regardez, la voleuse qui doit passer, elle va mettre son accélération. Et attention à cette voleuse, les amis. On se rend pas compte, mais regardez, plus de 700 points grattés. Même 800, j'ai envie de dire, 800 tourons. On a gratté 800 points tourons à coup de voleuse. Et ça, ça fait la diff parce que regardez, on a le même nombre de points d'élixir. Ah, ça c'est bien joué ça. La petite fournaise sur la gauche, elle fait plaisir parce que ça veut dire qu'il va forcément me gratter ou alors il va falloir que je défende. Et j'ai pas très envie de défendre. J'ai plutôt envie d'appuyer mon PK avec un coup de méga chevalier, de sorcier électrique, de gargouille. Voilà, vous l'avez compris. Alors, on va commencer comme ça. Voilà, ça c'est vraiment pas mal, je pense. Et là, il va avoir beaucoup de mal à se défendre. Regardez, je vais amener un sorcier électrique. Et là, il sait que c'est la fin, je pense. Hein. Il sait que c'est la fin, il l'a compris. Et moi, je vais éternuer parce que j'en peux plus, là. J'en peux plus, regardez. Et ouais, et là, regardez, voilà. C'est win, c'est tout win, les potes. Je pense qu'on va se régaler dans ce super défi. Je pense qu'on va faire de belles performances. En tout cas, pour ce premier match, c'est une très belle performance. Voilà, le petit screenshot qui servira peut-être... peut-être en miniature, on va voir, on va voir, on va tenter. En tout cas, premier match, première victoire, ça fait plaisir parce que voilà, le but c'est de préparer un gros pack opening, de vous faire un beau pack opening sur la chaîne David K. Et vous savez, moi j'aime pas faire des pack opening minables où t'as trois coffres en or, un coffre géant, tout ça, voilà. Il y en a beaucoup qui font ça, mais non, on va chercher du pack opening de qualité. Alors, on va cycler l'esprit et on va envoyer directement le PK un peu plus haut. Oh, ça c'est bien vu ça. Ça c'est bien vu, mais malheureusement pour lui, alors là, c'est bien vu sans être bien vu, parce que du coup, ouais, moi je vais pouvoir quand même lui faire bien mal, parce que du coup, ça a pris le focus du PK, ça c'est pas de bol pour lui. Alors, le méga chevalier, est-ce qu'on va réussir à le récupérer? Non, je vais pas réussir à récupérer mon méga chevalier, donc j'ai bien envie de tenter ma chance comme ça, avec un petit zap qui doit pouvoir focus tout le monde. Voilà, oh, la voleuse qui va peut-être charger la TDE, yes! Avec une petite chauve-souris, oh là 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 là, on va passer, hein. On va passer les potes, on va passer au PK, hein. On va passer au PK, je pense. On va passer au PK sur le premier push. Oh là 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 là, le vilain coup de PK. Regardez la tour, comment elle ramasse. Elle ramasse, hein. Elle ramasse cette tour. Donc là, je vais pas m'enflammer. Je vais pas envoyer un PK pour défendre en haut, tout ça, ou quoi que ce soit. Non, je vais mettre des petits gops qui vont me coûter 2 points d'élixir, qui vont aller me gérer, regardez, tranquillement, cette petite princesse, et qu'il va falloir défendre, sinon ils vont gratter la tour. Et à ce moment-là, s'ils grattent la tour, voilà, exactement, ben c'est tout bénef. Je peux jouer un PK fond de map. On repart. Les petites chauves-souris, regardez là, qui vont faire un beau travail. Je vais pas zapper. Je vais pas zapper. Regardez, voilà. Je préfère la jouer comme ça. Bien joué le focus de la princesse. C'est un peu embêtant. Ah oh, là, le temps de taper un dernier coup. Alors, non. Oh oui, il défend. Il défend. Alors, encore une fois. Eh ben non. Vous avez vu. Eh ben non. Je joue pas d'esprit. Je joue pas de zap. Je joue pas ces choses-là. Parce que je veux faire passer mon PK. Et en faisant passer mon PK, eh ben écoutez, je m'assure un petit peu quand même de faire beaucoup de dégâts. Voilà. Bien joué, belle roquette, belle roquette. Oh, il n'a pas touché le sorcier électrique, ça c'est la pression. C'est la pression, les potes. Et là, maintenant, ça va être très compliqué. Va falloir défendre le PK qui a l'air... Oh, dommage, bien joué l'esprit. Il n'a pas le temps de mettre son coup, c'est pas grave. Ok, 60 secondes, qu'est-ce que je fais? J'attaque, j'attaque pas. Alors, regardez, alors là, le méga qui va tomber à pile. Voilà, à pique, à pile. Il va tomber à pique, ce méga. Alors, hop, petit sorcier électrique ici qui va nous défendre tout ça. Hop, voilà. On y va, hop, le gobelin, regardez. Alors là c'est très important, là. La défense faut qu'elle soit parfaite. Cette défense faut qu'elle soit millimétrée. Et regardez, on a ce méga chevalier là qui nous met des tatanes sur la tour. Oh, attention à droite, deux gobelins plus sorcier électrique, ça fait quand même très mal. Hop, le petit zap, voilà, super. Super, alors je sais très bien qu'il a la roquette, les potes. Je sais qu'il a la roquette.
Oh là là, l'enchaînement là qu'on va lui mettre. Regardez, oh là là, c'est beau. Et là, là c'est terminé. Là c'est terminé. Il pourra pas y aller. Il pourra pas y aller. Regardez, là on est beaucoup trop bien. On est beaucoup trop bien sur cette phase d'attaque. Il sait qu'il va pouvoir finir à la roquette hein, sur la gauche. Mais moi j'ai la tour de droite. J'ai la tour de droite et j'ai peut-être même la principale. J'ai peut-être même la principale. Est-ce qu'on enchaîne avec un deuxième 3 couronnes? Oh la vache. Les amis, 2 méga chevaliers sur la map. On est en train de tout exploser dans ce défi. Ça fait 2-0. On va pas s'enflammer, ça fait 2-0. Je pourrais faire 3 défaites consécutives. Hein. Mais ça fait quand même plaisir parce que c'est 2 matchs bien maîtrisés. Et on sent clairement que le deck, il est au-dessus. On va pas se mentir. Là, on voit bien qu'il y a un gros, gros avantage de deck. Pour le moment, on n'a pas trouvé de deck qui nous fait réelle concurrence. Même avec une TDE, on l'a géré, mais tellement facilement. Alors, j'ai choisi l'option de pas jouer le foudre. C'est vrai que le foudre, ça coûte cher. Le foot, ça coûte très très cher, ça coûte 6, et des fois c'est très rentable, mais des fois ça l'est pas. Alors ça, c'est plutôt pas mal, parce que ça veut dire que je vais pouvoir jouer un méga chevalier, je pense, dans le lot, et faire revenir directos, alors regardez, hop, ici, et ça, là, voilà. Alors là, je suis un peu deg, je vous le dis franchement, parce que je pensais pas que... Alors hop, le zap, voilà, les petites chauves-souris en contre-attaque, et là, regardez, on counter des deux. C'est simple, on counter des deux côtés. Donc là, le PK, il devrait se faire la tour. Le PK se fait la tour. Ok, donc on a dessoudé une tour. Est-ce qu'on va dessouder la deuxième? Hop, sorcier électrique dans le corner. Oh, ça fait très mal. Ça fait très très mal, les amis, là. Oh, il va avoir du mal à gérer. Il va avoir du mal à gérer le 3 couronnes d'entrée sur le premier push, les amis. Sur le premier push, on met le 3-0. Je viens de faire, les amis, 3 matchs à 3 couronnes. Je sens que ce défi va être exceptionnel. Écoutez, on va pas se... 3-0. Ça fait plaisir. On continue, bien sûr. Ah, ça fait plaisir. Ah, ça fait plaisir. Ça fait tellement plaisir. Je sens qu'on va revenir en force. Hein. On va revenir en force sur Clash Royale, les amis. Alors là, attention, je n'ai ni PK ni quoi que ce soit. Donc, c'est l'opportunité pour moi de cycler. Ce qu'on appelle le cycler. Je vais jouer un esprit de glace pour, voilà, pour prendre, entre guillemets, pas l'avantage, mais faire tourner, en fait, mes cartes pour en avoir d'autres, en fait, tout simplement. Là, c'est plutôt pas mal. Cette petite princesse m'embête pas tellement. Hop, ici, avec un petit zap qui va être parfait. Ah oui, le zap, il est magnifique, ce zap. Il est magnifique, logiquement. Alors, je perds beaucoup de points, je vous l'accorde. Mais là, regardez. Ça va être très compliqué à gérer pour lui. Je pense que même... Voilà, c'est exactement ça que je voulais voir. La TDE. Oh, mais pourquoi mon sorcier électrique ne la prend pas? Pourquoi mon sorcier électrique ne prend pas cette TDE? Ça, c'est un peu moche. C'est un peu moche. Parce que s'il l'avait prise, on gardait le PK en vie. Puis là, c'était on se baladait dans le game, encore une fois. Ok, c'est pas grave. C'est pas grave. On va continuer comme on s'est lancé. C'était plutôt pas mal. C'est vrai qu'on a pas mal de petites cartes. C'est pour ça que je joue pas le foudre aussi. Parce que là, vous l'avez vu, on est contre un lockbait. Contre ce lockbait, ça me permet de bien gérer toutes les petites attaques, en fait. Donc j'aime plutôt pas mal. Hop. Voilà, ça c'est plutôt pas mal aussi. Regardez, hop, voilà. Ok, donc là, la voleuse, on sait qu'elle va charger. Je vais envoyer ça là. Ça ici. Voilà, regardez. Et cette fois-ci, le PK, il est famous. Le PK est famous, les amis. Le PK est famous et on a un sorcier électrique juste derrière. Et cette fois-ci, je vais à la tour. Cette fois-ci, je vais à la tour, il n'y a pas de doute. On va, hop, le petit zap, voilà. Ça, c'est tout bon. Ok, on est pas mal. On a bien géré. Maintenant, attention, est-ce que ce PK... Ah non, ce PK n'ira pas à la tour, malheureusement. Ce PK n'ira pas à la tour. Ah, j'allais dire quoi que, mais non. Attention, parce qu'on va quand même bien gratter. Ça suffira pas, ça c'est sûr. Après, la tour est à 2388, la mienne est à 364, donc on va pas faire n'importe quoi et on va privilégier la tour de gauche plutôt que la tour principale. La tour principale, ce sera très compliqué. Là, on prend le focus directement, donc ça c'est aussi pas mal. Et regardez, là, je vais pas me gêner. Clac, 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 voilà. C'est joué rapidement, c'est bien joué. Alors, hop, oh là là, là, bien vu. Et là, j'arrive pas à me défendre. Alors, hop, la petite voleuse. Oh oui, la voleuse. Allez, fais-moi des accélérations de partout, là. Fais-moi des accélérations de partout. Oh là 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 là, est-ce qu'on va défendre ce cochon? Oui, on le défend de A à Z, ce cochon. On le défend de A à Z. Ok, le petit zap, clac, ici. Clac, clac, voilà. On est pas mal, logiquement. Oh, la parfaite défense, vous avez vu ça, les amis. La parfaite défense sur les fûts, sur le lockbait. Et cette fois-ci, on est tout bon. Il a joué la roquette, donc moi, je peux commencer à placer mon PK. Ça va lui faire très mal. Hein. Ça va lui faire très très mal. Là, il n'aura pas de moyen de défense. Regardez, hop, ici, on enchaîne.
Hop, voilà, avec des dégâts de zone très certainement. Des petits gobelins juste ici. Et là, regardez, j'ai pas du tout besoin de jouer. Voilà, ça c'est parfait. C'est parfait. Allez, hop, ici. J'ai loupé la princesse, je m'en veux un peu. J'ai loupé la princesse, mais logiquement, je suis pas mal. Ah oui, la charge du méga chevalier. Le fût, la charge de la princesse, de la voleuse. Et c'est victoire. Alors, cette fois-ci, par deux couronnes, mais c'est quand même victoire. Et on est à 4-0 dans ce super défi, dans cette première vidéo. Écoutez, les amis, c'est un vrai régal de vous avoir réalisé cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. On a le coffre à couronne. Alors, voilà, je vais pas vous mentir. Regardez où j'en suis. Voilà, donc je veux bien sûr récupérer le coffre de clan donc, qui arrive dans quelques jours. Peut-être emporter un autre gros coffre. J'ai un coffre magique qui arrive. Non, pas un magique, un géant qui arrive dans quelques coffres. Et ensuite, faire le 12 victoires ici pour avoir 550 cartes ou un peu plus et tenter d'obtenir un nouveau méga chevalier. Merci à tous d'être restés jusqu'à la fin. On se dit à la prochaine dans une toute nouvelle vidéo Clash Royale. N'oublie pas de me suivre sur les réseaux sociaux, de vous abonner et de partager un maximum de pouces bleus pour m'aider à faire progresser la chaîne. On se dit à la prochaine. Salut, salut.